coup de massue pour l'électricien EDF. Le titre lâche 0,98% après avoir atteint un plus bas historique depuis son entrée en bourse en novembre 2005. Selon Le Parisien, le gestionnaire de réseau d'électricité français ERDF, qui est une filiale d'EDF, va devoir rembourser 8,8 milliards d'euros à ses clients. Nous sommes perçus en trop depuis 2009. L'électricien assure que cette décision n'aura pas d'impact sur ses résultats et n'entraînera pas de remboursement des clients. L'opinion des analystes de l'OPSA sur cette valeur est baissière. Le titre lâche 0,98% à la clôture.